Salut les canailles et les canaillots, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de C'est la folie canaille. Voilà, ils vont faire malheureusement un accident avec le buggy. La police va arriver et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est vraiment un gamin, voilà. C'est pas moi, Zabé. Bonjour. Chut, j'ai pas fait exprès. Non, mais ça, c'est de votre faute, hein, la faute des Tunisiens. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Sacré gros mot, hein. Mais je dis jamais, moi, ça. Je suis arrivé ici, je disais un gros mot, moi? Non. Bah, maintenant, je dirais que j'ai le. Je dirais que j'en mange tous les jours du zizi. En arabe. Hein. C'est nous qu'on fait des snaps. C'est qui rigole. Oui, écoute. Hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour à tous. Salam alaikum à tous. Shalom à tous. Good morning. Bon dia à tous. Ça va, Teka? Konnichiwa. Ni hao. Privat. Guten Tag. Allez, c'est bon, je t'ai éteint, dégage. Qu'est-ce que tu m'as éteint? Tu m'as éteint, tu crois que j'ai fini? Vous en avez une, vous, ou pas? Oui. Hein? On n'est pas trop long, nous. Bonjour, non? Tiens. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pourquoi ils sont là, les deux petits zigotos? Eh non, moi je sais pas, je t'as pense. Pas vu depuis tout à l'heure, ils ne lâchent pas, ils sont devant, ils attendent, je sais, moi. Si, tu veux 1 euro, tu veux 2 euros? Non, on veut pas d'argent. Tu veux acheter des bonbons? On veut pas des soins de on a. C'est quoi, vous voulez? C'est ici, Mourad. Ici. Je vais leur prêter le buggy. Mais t'es un malade. Pourquoi? Mais t'es un malade, prête-toi ce que tu veux, mais pas le buggy, mais t'es un malade. Mais non, alors fais plaisir, regarde. T'es un malade, frérot. On a le droit de le prendre, le buggy, nous, non. Ça y est, on est de la canaillerie. Oh, t'es plaisir. Frérot, t'as cru qu'on t'a. Frère, toi, tu vétris pas, tu te mets le deux coups. Mais t'as cru qu'il coûtait 10 euros le buggy ou quoi là? Mais t'es un malade, toi aussi. Fais plaisir. Tu vas faire plaisir. Il a dit, c'est que du matériel, on s'en fout. Vous allez faire quoi avec? Il a dit, le matériel, on s'en fout. Tant que vous êtes content, on s'en fout. Bah, moi, vous allez faire quoi avec le buggy? On va crâner. On va aller voir des gonzesses. Comme on a. Non, non, ah, gonzesse pendant le ramadan. Mais on prépare le bon après le ramadan. On prépare le bon. On n'est pas des bots, quand même. C'est tout. Pendant le ramadan. Quoi? Pendant le ramadan, tu vas voir des gonzesses? Et toi, tu vas leur prêter? Je les touche pas, j'ai fait rien. Toi, tu vas leur prêter? Toi, tu vas leur prêter? Pas pour des gonzesses. Moi, je leur prête, frérot. Je t'explique, moi, quand j'étais jeune, on m'a jamais rien prêté. Alors, si je veux faire plaisir aux petits, je leur fais plaisir, mon frère. C'est un vrai grand frère. Mais vous êtes des malades. Oh là, c'est un vrai grand frère, ça. Mais vous êtes des malades. Cours, Yvan. Par contre, faites attention. Mais non, t'es pas sûr. Tu vas vraiment leur prêter, là? Hein? Tu vas vraiment leur prêter? Bah, Gori, écoute-moi. Pourquoi toi, tu aurais pas prêté? Pourquoi jamais pas de la vie. On t'a prêté quand tu étais jeune? Non. T'aurais aimé qu'on te prête quand tu étais jeune? Oui. Hein? Hein? Oui. Voilà. Donc moi, je fais plaisir aux petits. Voilà. Mais comme on m'a pas prêté, moi, je prête pas. Mais non, tu vois, c'est ça la mauvaise mentalité. C'est qu'on m'a pas donné, je donne pas. Ben moi, on m'a pas donné, on m'a rien donné dans ma vie, mais ben moi, non. Je donne. Wallah, wallah, tu vas leur passer. Wallah, je vais leur passer. Ah, wallah, je vais mal dormir, je suis pas bien, je suis mais pas bien. Tu peux déjà pas dormir, il fait jour. C'est pas ça. Vous allez le ramener à quelle heure? Vous allez le ramener à quelle heure? T'inquiète, vous allez le ramener après le tour. Après le tour. Après le tour? Ouais. T'es malade, frère. On prend la voiture, nous. Oh, t'as un C43, tu viens, tu nous rends fous. C'est bon. Laisse-nous un peu en profit. On riche la vie, nous aussi. On est jeunes. On a 19 ans. On a fait un concert. Hein? On a fait un concert, frère. Ah, on leur fait plaisir aux petits, ils se régalent. Regarde la bête que tu leur donnes, frère. Tu leur donnes une bête. Sur ma mère, il m'a fait caguer. Il m'a fait tomber dans mon cœur. J'ai cru qu'il allait se retourner le buggy. Moi aussi, j'ai peur. Voilà. J'aurais dû t'écouter. Voilà. J'aurais dû t'écouter. Ils m'ont appelé. Je vais les défoncer. Tiens, regarde. Ils m'ont appelé, ils ont fait un accident. Là, là, il y a la police et tout, regarde. Il y a la police et tout, regarde. Voilà. Voilà. T'as vu? T'as vu? Voilà. Voilà, la police. Voilà. Je suis obligé de leur dire que c'est moi qui conduisais. Bah, t'es obligé, t'as pas le choix. Hein. Pourquoi? Tiens, il n'est pas permis, il va foutre les nez. On est dans la merde.
Oui, dans la mer. Non. Parce qu'il est noir. Le chauffeur, il nous dit que c'est lui, il est en bleu, vous êtes en bleu. Ah, c'est moi qui conduisais, c'est moi. C'est moi. Il était calme. Wallah, il était calme. Eh ben, regarde le bordel qu'on va refoutre. Qu'est-ce qu'il y a? Il était calme. Wallah, il était calme. Eh ben, regarde le bordel qu'on va refoutre. Un souci là, Gouris là, il est avec les flics et ils disent que c'est pas toi qui conduisais, ils disent que c'était un habillé en blanc. Oh là, il dit que c'est un habillé en blanc qui conduisait. Est-ce que c'est normal ça? Je te parle, hein? Oh, je te parle. C'est bon, ils disent qu'il est pas bien, hein? C'est à cause de moi. C'est moi, je lui dis vas-y, conduis, fais une sensace. T'es sérieux? Faire plaisir. Je ne l'ai jamais prêté, c'est la première fois que je te le donne. Et c'est comme ça que tu le rends? Hein? T'es dit comme. Et en plus, Gorille, c'est pas ça. Je te l'ai dit. Non. Le pire, c'est qu'il fait conduire Chico. Et il a 15 ans, frère. Il n'a même pas le permis. Et toi, tu conduis normal sur la route? Non, là, de la conscience. Hein? De la conscience. Mais tout ça, c'est ta faute. Je t'ai dit, ne leur donne rien. Donne rien. Tu m'as dit, je prête quand même. T'avais raison. Voilà, je prête. On m'a rien prêté. Moi, quand j'étais petit, je vais pas faire comme je prête rien. Moi, ça serait moi, je vous prête rien et il n'y aurait rien je eu. Je rigole, sur ma mère, je rigole. Tout ça, c'est de ta faute. Une machine à 50 000 balles, tu vas leur donner, toi. Tu vas leur donner. C'est pas parce qu'il a une tête qui fait 30 ans qu'il a 30 ans. Et lui, il a que 15 ans. Et toi, pourquoi? Comment ça se fait que moi, il y a un truc que je comprends pas. Le truc, il te l'a prêté à toi. Pourquoi c'est lui que le chemin, il a dit, c'est lui qu'il a vu à la caméra? Pourquoi? Vas-y, explique-moi. Explique-moi une chose. Pourquoi prête à toi, pourquoi c'est lui qui conduit? Pourquoi? Parce que je l'ai fait serrer pendant des heures. Laisse-moi conduire. Et lui, t'as passé? Il y avait des gonzesses. Je lui ai dit, vas-y, comme ça, il crame un peu. Je fais quoi? Et celle-là, la gonzesse. Tu l'as vu, celle-là, la gonzesse? Toi, c'est la même. Toi, c'est pareil. Voilà. Vous avez de la chance. Wallah, vous avez de la chance. C'est le ramadan. Sinon, je vous aurais pris votre gueule. Toi, ta gueule de khalma. Toi, ta gueule de merde. Regarde, il est tombé comme une merde. Ça, c'est la fille qui t'a puni. On se hara. Voilà, tu rigoles. Vas-y, rigole. 50 000 balles, rigole. C'est pas question de ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est fait, Gorille. C'est fait. La prochaine fois, je te dis non. Mais c'est quoi? C'est la prom. Écoute-moi bien, Gorille. À part toi, au moins, il n'y a plus personne qui le touche, le buggy. Voilà, merci. Sauf si je suis à côté. C'est voilà, bon, Gorille. Voilà, merci. Écoute-moi. Même pas, t'es à côté, mais rien, ça ne dure rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a même manqué plus que ça. Tiens, qu'il se fasse écraser en plus. Ça fait un peu. Dégoûté. Toi, Inch'Allah, qu'il a rien. Pourquoi tu fais le bisou? Parce que je sais qu'il y en a qui vont nous regarder, qui nous regardent. Tu crois que là on est en train de filmer quoi? Pour le vent là, il y a des gens qui nous regardent. Hein. Ah je ouais, fais un bisou parce que ça me détend, parce que je suis énervé et quand je fais un bisou, attends, pour voir si c'est pourri. Mmh. Ils l'ont massacré. Tu vois pas que je suis en train de regarder la roue là, mais moi j'ai envie de pleurer. Attends. Regarde comment il est tordu. Regarde. Oh là là. Ils ont tordu le triangle, voilà, ils ont tordu le triangle, ces bâtards. Regarde. Ils ont tordu le triangle. Regarde derrière, viens voir, Gorille. Gorille, sur la tête de ma mère, regarde. Maman, la barre, comme elle est tordue. La roue, elle est comme ça. Hein? C'est bien que vous avez cassé le buggy, hein? Je sais pas, parlez, dites quelque chose. C'est bien ou pas? Parlez, dites quelque chose. Mais qu'on dise quoi? On est dégoûtés, nous aussi. Je crois que je suis content. Vous l'avez tué. C'est rigolo. Voilà, hein? Lui, ça le fait rire. Voilà. Lui, il est là. Tu veux que je fasse quoi, frérot? Qu'est-ce que je fasse? Vous êtes deux bâtards. Parce que vous le voyez rigoler. Vous êtes content. À l'intérieur de vous, vous êtes content. Vous dites, on va pas manger de coups. Mais voilà, Adem, que vous allez en manger des coups. Parce que c'est moi qui vais vous les mettre. Parce que ça, c'est qui va payer? Voilà. On va pas en vacances avec l'argent, là. On va pas en vacances avec l'argent. Un triangle, ça coûte presque 1000 euros. Un triangle, là, ça coûte presque 1000 balles là-dessus. 1000 balles, tu sais combien tu passes au Maroc ou en Tunisie? Tu passes 6 mois avec 1000 euros. 6 mois, t'as abusé, Marseillais. Oh, maintenant, vas-y, Gorille. C'est pas grave, qu'est-ce que je dis, ça arrive, mon frère. Qu'est-ce que je dis, ça arrive. Faire quoi? C'est fait. C'est fait, mon frère, on va pleurer. Ouais. Alhamdoulilah. T'as vu, moi, je rigole. T'as vu, là, je vais faire un truc sur la tête de ma mère. Que là, s'ils font pas, ça part en bagarre. Gorille, là, je les massacre. Là, s'ils font pas, je vous massacre. Non mais restez là. Restez là. Moi, c'est rien de courir. Peut-être que moi je cours pas vite, mais lui court vite. Je cours très vite. Oh, lui il court vite. 1 2 عيش لا فيه ويا بابا باهو بلا شيكو وين راحو شيكو تاعك يا بابا لا لا لا
Oulalala. 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 Toi, t'as eu du retard, tu vas faire niquer. Non, arrête, arrête, Gori. Bah, venez, 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 venez. Non, sérieux, sérieux, venez, venez, venez. T'as vu là? À la rigueur, ça aurait été avec moi, avec Gori, sur un parking, ça va. Là, écoute-moi bien, t'as roulé sur la route. C'est, t'as vu? Je sais comment je suis, je te donne une chance. La prochaine fois, tu touches un véhicule dans tes mains, t'as pas le permis, je te massacre. Mais voilà, il a de la chance que tu lui as donné une chance. Oh, tu as compris ou pas? Wallah, tu touches un véhicule sans permis, si je suis pas à côté ou s'il n'y a pas Gori, je te massacre. À coup de pastèque dans la tête, c'est bon? T'as compris? Et normalement, c'est toi le premier qui doit être massacré, normalement. Mais c'est pas grave, c'est le Ramadan. Alors, Riche la vie, stop! T'as vu? Je suis gentil quand même, hein? Il y a même les mains, ils ont arrêté. Hein? T'as vu, je suis resté bloqué. Putain. Statue. Gori, pourquoi je sais pas, j'arrive pas à être énervé, je sais pas pourquoi. C'est normal, tu vois pas qu'ils écoutent là parce que ils ont pas le choix que d'écouter, sinon ils vont se faire taper. Allez, barrez-vous. Barrez-vous. Et cassez-vous à pied, hein. Cassez-vous allez, à pied. Allez, allez, vous rentrez à pied. Allez, barrez-vous. Allez, cassez-vous. Allez, allez, allez. Cassez-vous. 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 Pourquoi le coup de la sabbat? Tu crois que c'est une claquette ou quoi? Moi j'ai grandi comme ça. Hein? Ah ouais? J'ai grandi avec la ceinture, les chaussures, ouais. Les coups de poil, les coups de cocotte minute. Voilà. Je te rassure, moi aussi j'ai grandi comme ça, mon frère. Allez, vas-y, on se barre. Là, un mec qui va me remonter le moral. Il est là. Il est là, Boucher. Ça va? Ça va, Boucher? Bien quoi? Salut les canards. Salut les canards, il est là, ça Boucher. Va, hein. Ah, dis-moi. J'avais du sourire. Oh là, ça fait mal au cœur pour les buggy. Ça fait mal pour le buggy. Mais toi, en bas. Mais voilà, je voulais faire plaisir à Mani, je voulais lui faire oui, plaisir. C'est un gamin, hein? C'est un gamin, qu'est-ce que tu penses, Mani? Mais frérot, bah, t'as vu, je me suis dit, t'as vu? Ah, Boucher, tu me connais comment je suis. Je me suis dit, mais skin, t'as vu, regarde. T'as vu, moi, j'aurais rêvé, t'as vu, quand j'étais petit, quelqu'un il me prête, t'as vu du matériel, t'as vu ou quoi, etc. Donc je dis, vas-y, c'est quoi, t'as vu, à chaque fois, moi, je leur prête la voiture, etc. Je m'en fous, t'as compris? Mais bon, là, on va réfléchir à deux fois. Boucher, je te demande juste un truc, frère. Pour me remonter le moral, coupe-moi les cheveux, frère. C'est vrai? Ouais. Maintenant. T'as fermé? Mon boucher est fermé. Ça, vous m'en jamais, je te dis pour toi. Non. Je sais que tu me dis jamais non. À 1h du matin, je t'appelle, tu me coupes les cheveux. Vous avez vu un peu les canailles? Pourquoi je l'aime, Boucher? Merci, Boucher. Merci, mon frère. Dis-moi où je vais trouver, moi, un frère comme toi, Boucher. Que t'as vu, là, il est 7h50, frérot, et t'es encore là à me couper les cheveux, c'est bientôt le tour. Dis-moi où? Dis-moi, là, je te paye triple, quadruple, combien je paye? Je dois payer combien? Chez le boucher. Non, mais je paye combien? Je paye 5 fois la coupe, là, obligé. Non, arrête! Voilà. Mais non, tu peux pas faire je ça! Je suis ça et moi je te dis voilà. Mais non, pourquoi tu fais ça, frérot? Déjà, voilà, c'est un cadeau pour toi, pas de problème. Je peux te faire un bisou sur la bouche? Vraiment sur la bouche. Je rigole, t'es fou! Jamais de la vie! Je suis un homme, moi, les hommes, canaille! Oh, il y a une gonzesse derrière! Hé! Hey, gonzesse! Qu'est-ce que tu fais ici? Chez le boucher! Oh! Qu'est-ce que tu fais chez le boucher? Putain! Boucher! Toutes les gonzesses, c'est même. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Ne me filmez pas! Boucher, toutes les gonzesses. Donc voilà, c'était la story de CLF Canaille. Donc c'est malheureux pour le triangle et les barres de direction à l'arrière, les triangles de direction. C'est malheureux. Bon, heureusement que s'il n'y a que du matériel, voilà, heureusement qu'ils ne sont pas blessés ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, et il avait raison, Gori. Franchement, il avait raison. Fallait pas leur prêter. Fallait pas leur prêter, franchement. Que le FDHA, la police, les problèmes. Tous les jours, il y a un truc. Tous les jours, il y a un truc. Oh putain, la police et tout. Et encore, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Parce que moi, je faisais le con. Bon, je vais dire la vérité. Je vais avouer. Je faisais le con. Je conduisais. Quand j'étais jeune, j'avais une amie qui était plus âgée que moi, qui avait la voiture. Comme elle voyait que j'avais des bons réflexes, ça me faisait conduire, donc je conduisais souvent sans permis. Donc j'ai pris l'habitude, je me suis inscrit au code et tout, mais tu vois, j'y allais pas souvent et je conduisais souvent par contre. Donc j'ai fait souvent le con. Et le jour où tu te fais attraper, ça fait tout drôle, tu vois. Le jour où tu te fais attraper, bah, tu te prends 2 ans d'interdiction de permis. En 2 ans, t'as payé ton forfait permis pour rien. Il est périmé, ton forfait permis ou un truc comme ça. J'ai dû repayer, ouais, il me semble que j'avais passé des heures et tout. Je sais plus trop, je ne me rappelle plus à l'époque. Ça remonte quand même.
Je me suis pris une bonne interdiction. Je me suis pris une bonne interdiction. Une fois aussi, j'avais pris un peu d'inspiration et voilà. J'étais pas très inspiré en fait. Et je me suis repris encore une interdiction un an ou deux. Je devais passer au truc, tout ça. Puis aujourd'hui, bah, au bout d'un moment, ça m'a calmé. Tu vois, ça m'a calmé parce que j'aime bien rouler en voiture. Franchement, j'aime bien rouler en voiture. Des fois, c'est un kiff la voiture. Donc, je me suis calmé. Et voilà. Donc, après, si c'est pour perdre des années, des années et des années de suspension, tu t'enchaînes, voilà, conduire sans permis, tu peux prendre des années de suspension. Et voilà, en fait, voilà, en fait, c'était Mani qui conduisait, ou je sais pas, c'est quoi le truc, mais comme quoi, il faut pas s'amuser avec ça. Comme quoi, moi je dis juste mon avis, moi j'ai perdu des années sans voiture. Et quand t'as pas de voiture, ben c'est plus dur pour le travail, c'est plus dur pour se déplacer. La voiture, c'est vraiment un avantage pour beaucoup de choses. Pour l'autonomie, voilà, t'as un truc improvisé à faire, ben tu peux te déplacer. C'est très important l'autonomie, comme on dit. Donc voilà, c'était la story de C'est la folie canaille, c'est de l'humour bien évidemment, voilà, c'est des stories d'humour, des humoristes de la Côte d'Usure, bien sûr, c'est de la Côte d'Usure. Donc voilà, qui font des stories d'humour tous les jours. Donc sur CLF Canaille, voilà leur adresse Snap, c'est CLF Canaille. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB. De tchuss. Pochez, toutes les causes, c'est pas, pourquoi même. tu filmes? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Ne me filmez pas. Ah 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 ah